Olona Noguera et Lio, comment elles ont construit leur carrière main dans la main. Comme Alexandra et Audrey Lamy, Lio et Olona Noguera sont des sœurs fusionnelles. Actrices et chanteuses toutes les deux, elles forment un duo complice. Dans une interview accordée à Télé 7 jours, la sœur cadette en dit plus sur la relation qu'elle entretient avec sa sœur aînée. Olona Noguera sera dès le 22 janvier prochain l'héroïne de la nouvelle série de France 3 Au-delà des apparences. Elle y incarne une actrice dont la sœur jumelle institutrice a disparu. Pour interpréter ce personnage, elle avoue avoir puisé dans son histoire personnelle. Il faut avouer qu'avec ma sœur, nous avons souvent joué aux jumelles, comme si cela nous rapprochait encore plus. Sans trop dévoiler de choses à mon propos, ce personnage trouvait un écho en moi. L'histoire de cette sœur dans la lumière et l'autre dans l'ombre, ce sont des choses que j'ai éprouvées, a-t-elle ainsi confié au magazine. Cependant, même si la presse et le public ont longtemps comparé les deux sœurs, critiquant parfois le fait que Olona Noguera marche dans les pas de sa sœur aînée, celle-ci ne semble pas en avoir gardé de véritables blessures ou nourri des griefs envers sa sœur. Bien au contraire, Lio et Olona Noguera semblent avoir plutôt construit leur carrière ensemble. Quand la Benjamine arrive quelques années après une si grosse vedette comme Lio, il est normal que les gens pensent ça. Mais nous marchions plutôt main dans la main, a également ajouté l'ancienne compagne de Philippe Catherine. Et d'ailleurs, contrairement à Lio, elle n'envisage pas du tout de participer à Danse avec les stars. Pour l'instant, ce n'est pas mon chemin. Mais si ça se trouve, un jour, j'en aurai envie ou besoin. Moi je voulais devenir chanteuse à paillettes. Eh bien, j'ai vécu 10 ans avec un homme, Philippe Catherine, qui est devenu cette chanteuse à paillettes / a-t-elle déclaré avec beaucoup d'humour.